مثلا إذا أردت أن أقول من الأفضل أن تعتاد على هذا الوضع. تذكرون أصدقائي فعل يعتاد كنا قد رأيناه سابقا؟ نعم أحسنت. Tu ferais mieux de t'habituer à cette situation. Tu ferais mieux de t'habituer à cette situation. On dit tout simplement tu ferais. Tu ferais mieux de t'habituer. S'habituer, يعتادو أو يتعودو. Cette situation, يعني هذا الوضع. Tu ferais mieux de t'habituer à cette situation. لقد فتشت في غرفتي فعل يفتش كنا قد رأيناه سابقا كذلك. لقد فتشت في غرفتي لكنني لم أعثر عليه. فكر قليلا عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. J'ai fouillé ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvée. J'ai fouillé ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvée. Le verbe fouiller معناه يفتش. Ma chambre يعني غرفتي. Je ne l'ai pas trouvée يعني لم أجده أو أنا لم أعثر عليه. J'ai fouillé ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvée. جملة أخرى. أحمد شخص غريب حقا، نحن لا نعرف أبدا بما يفكر. جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. أحمد est une personne vraiment étrange. On ne sait jamais ce qu'il pense. Ahmed est une personne vraiment étrange. On ne sait jamais ce qu'il pense. Ahmed est une personne, يعني Ahmed هو شخص, vraiment يعني حقا, étrange يعني غريب. On ne sait jamais, لا نعرف أبدا, ce qu'il pense, بما يفكر. Ahmed est une personne vraiment étrange. On ne sait jamais ce qu'il pense. جملة أخرى. هو يصر على الحضور لرؤيتك. فعل يصر كنا قد رأيناه كذلك سابقا. نعم أحسنت. Il insiste pour venir te voir. Il insiste pour venir te voir. On a le verbe insister, معناه يصر, conjugué au présent de l'indicatif, مصرف في الحاضر الدلالي أو في المضارع, pour, لي, venir, يأتي أو يحضر, le verbe voir, يرى. Il insiste pour venir te voir. جملة أخرى. لقد رأيت هذا في مكان ما من قبل. Oui, très bien. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu ça quelque part. J'ai déjà vu ça quelque part يعني في مكان ما. جملة أخرى. هذا قطع شهيتي. نعم. Ça m'a coupé l'appétit. Ça m'a coupé l'appétit. On a le verbe couper, معناه يقطع, l'appétit, يعني الشهية.
Ça m'a coupé l'appétit. جملة أخرى. هو يهز كتفيه عندما أتحدث معه. فكر قليلا عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Il hausse les épaules quand je lui parle. Il hausse les épaules quand je lui parle. On a le verbe hausser, معناه يهز. Les épaules, الكتفين. Quand, عندما, je lui parle. أتحدث معه. Il hausse les épaules quand je lui parle. جملة أخرى. أنا لا أعتقد أنها متفرغة في الوقت الحالي. صفة متفرغ أو متفرغة رأيناها في العديد من المرات. نعم أحسنت. Je ne pense pas qu'elle soit disponible pour le moment. Je ne pense pas qu'elle soit disponible pour le moment. On a le verbe penser, معناه يعتقد. Disponible, صفة, معناها متفرغ أو متفرغة. Pour le moment, يعني في الوقت الحالي. Je ne pense pas qu'elle soit disponible pour le moment. جملة أخرى. يجب أن تتخذ قرارا. جملة سهلة جدا عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. On a le verbe devoir, معناه يجب. Prendre, يأخذ. Une décision, يعني قرار. Tu dois prendre une décision. جملة أخرى. لقد وضعني في موقف محرج. نعم أحسنت. Il m'a mis dans une situation embarrassante. Il m'a mis dans une situation embarrassante. On a le verbe mettre, معناه يضع, dans une في situation, يعني موقف, embarrassante, هذه صفة, معناها محرج أو محرجة. Embarrassant, محرج, embarrassante, محرجة. Il m'a mis dans une situation embarrassante. جملة أخرى. هذا التمرين معقد حقا. تذكرون صفة معقد؟ نعم جيد. Cet exercice est vraiment compliqué. Cet exercice est vraiment compliqué. Compliqué, هي معقد, un adjectif, صفة. Cet exercice est vraiment compliqué. الآن إذا أردت أن أقول لقد أغلق الخط قبل أن أنهي جملتي, يعني أنهى مكالمة, تذكرون هذا الفعل أصدقائي؟ نعم. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. Il a raccroché avant que je termine ma phrase. Le premier verbe, c'est le verbe raccrocher, معناه يغلق الخط أو ينهي مكالمة هاتفية. Avant, يعني قبل, que je termine, ça c'est le verbe terminer, معناه ينهي ma phrase, يعني جملتي. Il a raccroché
avant que je termine ma phrase. جملة أخرى. لأكون صادقا لست متأكدا من هذه الفكرة. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de cette idée. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de cette idée. Pour être honnête, لأكون صادقا, ça c'est un adjectif, صفة, honnête يا صادق. Je ne suis pas sûr, لست متأكدا de cette idée, من هذه الفكرة. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de cette idée. جملة أخرى. لا تقلل من شأنك. نعم أحسنت. Ne te sous-estime pas. ولكن نقوم بالربط la liaison ونقول ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. جملة أخرى. هي وشوشت في أذني حتى لا يسمعها الآخرين. كيف نعبر عن فعل يوشوش أو يهمس كنا قد رأيناه سابقا؟ نعم أحسنت. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. Le verbe chuchoter, يعني يوشوش أو يهمسو, ça veut dire parler à voix basse, التكلم بصوت منخفض جدا. À mon oreille, يعني في أذني. Aussi, on a le verbe entendre, معناه يسمعو, conjugué au présent de l'indicatif. Elle a chuchoté à mon oreille pour que les autres ne l'entendent pas. بهذا أصدقائي. مثلا إذا أردت أن أقول يبدو أنك لم تفهم جيدا. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il semble que tu n'as pas bien compris. Il semble que tu n'as pas bien compris. Il semble que tu n'as pas bien compris. الآن إذا أردت أن أقول توقف عن قولي أي شيء. نعم. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. جملة أخرى. أنا أحاول تنظيم نفسي أو أنا أحاول أن أنظم نفسي. Oui, très bien. J'essaye de m'organiser. J'essaye de m'organiser. Le premier verbe, c'est le verbe essayer, يحاول. Et le deuxième verbe, c'est le verbe s'organiser, يعني ينظم نفسه. On a le verbe organiser, معناه ينظم, ولكن الفعل أو le verbe pronominal s'organiser, معناه ينظم نفسه. J'essaye de m'organiser. J'essaye de m'organiser.
Une autre phrase. أنا لا أمزح، أنا أتحدث معك بجدية. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. Je ne plaisante pas, je te parle sérieusement. الآن عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ حاول أن تفهمني على الأقل. نعم أحسنت. Essaye de me comprendre au moins. Essaye de me comprendre au moins. Essaye de me comprendre au moins. جملة أخرى. أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا من أجلك. نعم، je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. الآن إذا أردت أن أقول أنت في مزاج سيء هذا الصباح. نعم، tu es de mauvaise humeur ce matin. Tu es de mauvaise humeur ce matin. Tu es de mauvaise humeur ce matin. الآن إذا أردت أن أقول ليس سيئا للمحاولة الأولى أو بالنسبة للمحاولة الأولى. نعم، pas mal pour un premier essai. Pas mal pour un premier essai. Pas mal pour un premier essai. Un essai معناها محاولة. Un nom masculin اسم مذكر. سنرى مثالا آخر بنفس الكلمة ولكن بمعنى آخر. لا أعرف هذا المنتوج لكني أرغب في تجربته. نعم، je ne connais pas ce produit, mais j'aimerais faire un essai. Je ne connais pas ce produit, mais j'aimerais faire un essai. كما لاحظتم أصدقائي تغير معنى الاسم essay إلى تجربة. رأينا في الجملة الأولى معناه محاولة essay محاولة كذلك تعني هذه الكلمة تجربة. Donc essay signifie tentative يعني محاولة et une expérience يعني تجربة. Je ne connais pas ce produit mais j'aimerais faire un essai. الآن كيف أقول هذه الجملة؟ أنت متأكد من أنهم سيكونون في المستوى. كيف نعبر عن هذا التساؤل؟ نعم، tu es sûr qu'ils seront à la hauteur. Tu es sûr qu'ils seront à la hauteur. Tu es sûr qu'il sera à la hauteur? جملة أخرى كيف نعبر عنها؟
لقد بدأ يشكو. كنا قد رأينا سابقا فعل يشتكي كيف نعبر عنه؟ نعم، il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre. On a le verbe commencer يبدا و et le verbe pronominal se plaindre والفعل المركب اللي هو يشتكي se plaindre. Il a commencé à se plaindre. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هو يقول عكس ما يعتقده. نعم، il dit l'inverse de ce qu'il pense. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. Inverse هو العكس. Il dit l'inverse de ce qu'il pense. جملة أخرى. لقد أهانه مرة أخرى. نعم. Il l'a insulté encore une fois. Il l'a insulté encore une fois. Il l'a insulté encore une fois. On a le verbe insulter معناه يهين. Il l'a insulté encore une fois. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أنا أحب الاستيقاظ أو النهوض مبكرا. نعم، j'aime me lever tôt. J'aime me lever tôt. أو يمكن القول كذلك، j'aime me réveiller tôt. J'aime me réveiller tôt. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ توقف عن التباهي. الشخص الذي يتباهى ويفتخر. نعم، arrête de te vanter. Arrête de te vanter. Arrête de te vanter. On a le verbe arrêter, يتوقف, et le verbe pronominal se vanter, معناه يفتخر, يتباهى. Arrête de te vanter. عبارة أخرى, هذا غير متوقع. نعم, c'est inattendu. C'est inattendu. C'est inattendu. الآن إذا أردت أن أقول أنا لم أكن أنتظر هذا. نعم, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Ici on a le verbe attendre, معناه ينتظر, كذلك هذا الفعل يعني يتوقع. أي يمكن أن نقول هذه الجملة كذلك قد تعني أنا لم أكن أتوقع هذا. Je ne m'attendais pas à ça. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ أنا لا أستطيع التفكير بشكل صحيح.
نعم، je n'arrive pas à réfléchir correctement. Je n'arrive pas à réfléchir correctement. On peut dire aussi je ne peux pas réfléchir correctement. Je ne peux pas réfléchir correctement. C'est la même chose. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ لقد كنت كبيرا أي كبيرا في السن بما يكفي لأفهم. نعم، j'étais assez âgé pour comprendre. J'étais assez âgé pour comprendre. Assez يعني بما يكفي. J'étais assez âgé pour comprendre. J'étais assez âgé pour comprendre. مثلا إذا أردت أن أقول أريدك أن تأتي معي. Oui, très bien. Je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tu viennes avec moi. جملة أخرى. أنا سأعود في الساعة السادسة والنصف أو في السادسة والنصف. نعم، je serai de retour à 6h30. Je serai de retour à 6h30. Je serai de retour à 6h30. جملة أخرى. هو لم يقل كلمة واحدة. نعم، il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. عبارة أخرى. لقد رأيته للتو. نعم. Je viens juste de le voir. Je viens juste de le voir. Je viens juste de le voir. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ لقد استيقظ في وقت أبكر من المعتاد. يعني في وقت باكر على المعتاد. نعم أحسنت. Il s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Il s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Il s'est réveillé plus tôt que d'habitude. On peut dire aussi il s'est levé plus tôt que d'habitude. جملة أخرى. أنا أعود في وقت متأخر أو أنا أعود متأخر كل يوم إلى المنزل. نعم، je rentre tard tous les jours à la maison. Je rentre tard tous les jours à la maison. Je rentre tard tous les jours à la maison. الآن كيف أطرح هذا التساؤل؟ منذ متى وأنت تعرفها؟ نعم أحسنت. Tu la connais depuis combien de temps? Tu la connais depuis combien de temps? Tu la connais depuis combien de temps?
لا تكن قاس معه. Ne sois pas dur avec lui. Ne sois pas dur avec lui. Ne sois pas dur avec lui. جملة أخرى نتداولها كثيرا في الفرنسية. Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. يعني لقد كانت زلة لسان عندما تكون تتحدث وتفلت لك كلمة ما. Ça m'a échappé. Ça m'a échappé. جملة أخرى. أنا أتذكر أني رأيتها في مكان ما. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Je me souviens l'avoir vu quelque part. Je me souviens l'avoir vu quelque part. Je me souviens l'avoir vu quelque part. جملة أخرى. لقد انتظرتها طويلا. Oui, très bien. Je l'ai attendu longtemps. Je l'ai attendu longtemps. Je l'ai attendu longtemps. جملة أخرى. ابقى في المنزل حتى تتمكن من الرد على الهاتف. جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. Reste à la maison afin que tu puisses répondre au téléphone. Reste à la maison afin que tu puisses répondre au téléphone. Reste à la maison afin que tu puisses répondre au téléphone. الآن كيف أطرح هذا التساؤل؟ هل يزعجك إذا فتحت النافذة؟ نعم. Ça te gêne si j'ouvre la fenêtre? Ça te gêne si j'ouvre la fenêtre? Ça te gêne si j'ouvre la fenêtre? On peut dire aussi ça te dérange si j'ouvre la fenêtre? Ça te dérange si j'ouvre la fenêtre? C'est la même chose. جملة أخرى. أنت وأنا لدينا شيء مشترك. Oui, très bien. Toi et moi avons quelque chose en commun. Toi et moi avons quelque chose en commun. Toi et moi avons quelque chose en commun. جملة أخرى. أنا لا أستطيع أن أمنعه أو أنا لا أستطيع منعه. نعم، je ne peux pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher. جملة أخرى. أعلم أنك تريد إخبارها أو أن تجعلها على علم. تذكرون أصدقائي عبارة mettre au courant، كنا قد رأيناها في درس سابق. حاولوا أن تستخدموها في هذه الجملة. نعم، je sais que tu veux la mettre au courant. Je sais que tu veux la mettre au courant. Je sais que tu veux la mettre au courant.
جملة أخرى، لقد تكيف أو لقد تأقلم مع الوضع. Il s'est adapté à la situation. Il s'est adapté à la situation. Il s'est adapté à la situation. عبارة أخرى، ليس لدي أدنى فكرة. Je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre idée. جملة أخرى، لا يزال لدي شكوك. نعم، j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes. لا أرى أي سبب يجعلني أعتذر. نعم، je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais m'excuser. Je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais m'excuser. Répète avec moi haute voix. Je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais m'excuser. Une autre phrase. كان يتوجب عليك أن تخبرني منذ وقت طويل. نعم، tu aurais dû me le dire il y a longtemps. Tu aurais dû me le dire il y a longtemps. Tu aurais dû me le dire il y a longtemps. جملة أخرى، أنا لا أعتقد أنني أستطيع مساعدتك حقا. نعم، je ne pense pas que je puisse vraiment t'aider. Je ne pense pas que je puisse vraiment t'aider. Je ne pense pas que je puisse vraiment t'aider. جملة أخرى. هي لم تزورني منذ فترة طويلة. نعم، elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps. Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps. Elle ne m'a pas rendu visite depuis longtemps. جملة أخرى، أنا لا أعرف ماذا أقول لأواسيك. نعم، je ne sais pas quoi dire pour te consoler. Je ne sais pas quoi dire pour te consoler. Je ne sais pas quoi dire pour te consoler. جملة أخرى، هذا يأخذ الكثير من الوقت. نعم، ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps.
جملة أخرى: أنا متأكد من أن لا أحد سيلاحظ. Oui, très bien. Je suis sûr que personne ne le remarquera. Je suis sûr que personne ne le remarquera. Je suis sûr que personne ne le remarquera. جملة أخرى: لقد ألقيت نظرة للتو في غرفته. نعم، je viens de jeter un œil dans sa chambre. Je viens de jeter un œil dans sa chambre. Je viens de jeter un œil dans sa chambre. عبارة أخرى: لا يهمني على الإطلاق. نعم، je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. Je m'en fiche complètement. جملة أخرى: أنا لا أستطيع تجاهله بسهولة. نعم، je ne peux pas l'ignorer facilement. Je ne peux pas l'ignorer facilement. Je ne peux pas l'ignorer facilement. جملة أخرى: سأتصل بك لاحقا أو سأعاود الاتصال بك لاحقا، أنا مشغول الآن. نعم، je te rappelle plus tard, je suis occupé maintenant. Je te rappelle plus tard, je suis occupé maintenant. Je te rappelle plus tard, je suis occupé maintenant. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ افعل شيئا ما بدلا من الشكوى. فكر قليلا. نعم أحسنت. Fais quelque chose au lieu de se plaindre. Fais quelque chose au lieu de se plaindre. Fais quelque chose au lieu de se plaindre. جملة أخرى: أنا لا أستطيع رؤيتك اليوم، لدي التزام. نعم، je ne peux pas te voir aujourd'hui, j'ai un engagement. Je ne peux pas te voir aujourd'hui, j'ai un engagement. Je ne peux pas te voir aujourd'hui, j'ai un engagement. جملة أخرى: لهذا السبب أنا هنا. نعم، c'est pour cette raison que je suis là. C'est pour cette raison que je suis là. C'est pour cette raison que je suis là. عبارة أخرى: هذا لا يعني شيئا حقا. نعم، ça ne signifie vraiment rien. Ça ne signifie vraiment rien. Ça ne signifie vraiment rien.
نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الاختبار، أتمنى أن يكون قد كان في متناولكم جميعا. قبل أن نختم إليكم سؤال التميز وسؤال اليوم يقول: من الأفضل أن نتعود على هذه الفكرة، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.